Salut à tous les frérots, c'est Loïc et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui date beaucoup, je sais, je suis au courant, c'est Call of 5, Call of Duty 5, World at War. Tout simplement, je le lance pour, pas pour jouer en normal, pour jouer avec des mods. Et ces mods sont tout simplement des maps zombies, des custom maps zombies. On appelle ça comme ça, et je vais tester donc la première que j'ai jamais testée, je viens de la télécharger, que je vous fais partager ça. J'espère que vous allez kiffer autant que moi, et s'il vous plaît, excusez-moi pour cette voix absolument horrible. Je suis complètement malade. Voilà, c'est... comme ça c'est dit, on pose les bases, je suis défoncé. Ok. Donc le mec a pas changé l'écran de chargement. Donc je sais que dans les mods c'est possible de faire ça aussi. Il y en a qui changent les écrans de chargement, c'est vraiment des ouf. Franchement j'aurais pas la patience. Alors, time gameplay, non merci, non merci. Objectif, bon on va les activer les objectifs. On peut pas. Bon. Gun game, arcade mode. Putain, mais le mec se fait chier quand même. Ok, on y va. Alors, round 1. Ok, donc la map a l'air plutôt belle. Faut qu'on rallume la lumière. En français, pas mal. Desert Eagle directement. Ok. Écoute, on ira voir. Alors attends, est-ce que mais. Ok, d'accord. J'ai un bug de touche. Voilà. Du coup pour cuter c'est V je crois. C'est ça. Je reprends les bases. Alors zombie. T'es où? Ici. Ah d'accord, ok, non, pas de soucis. Non, mais si tu veux crever au bout de deux coups, y'a pas de problème. Hein, en fait, je crois que ça passe. Enfin, ça passe. Ouais. J'ai vraiment du mal avec les touches, pour le moment. Ça fait mal. Ok. La manche 1 est passée. On va essayer d'ouvrir un maximum de portes assez rapidement parce que notre but n'est pas de... Bah notre but est justement de tester la map putain. Pourquoi je galère autant à parler? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai? Bon alors, ah ici, Quick Revive. Coucou toi. Ok bah heureusement que j'ai pas cuté parce que j'avais pas la douleur. Ouais, je suis vraiment en galère là pour les toucher un truc de ouf. Oula, pourquoi je cut tout le temps bordel? On sent le mec qui joue sur console et qui vient de passer sur PC ou pas? Je pense qu'on vient de le sentir. Ok, non mais si tu veux crever rapidement, il est petit. Alors j'ai acheté ce jeu 15€ je crois. En fait je l'ai acheté mais j'ai... Enfin, je compte pas faire la campagne, je compte à peine jouer en multi, j'ai déjà joué 2-3 fois, je trouve ça assez simple sur PC. Genre étonnamment je... Voilà, vous voyez que je m'embrouille pas mal dans mes touches. Et étonnamment je trouve ça assez simple, c'est-à-dire que j'arrivais quand même à finir plutôt pas mal placé dans la partie quoi. Bon après la majorité des parties sont modées, je pense que ça vous devez le savoir sûrement. La majorité des parties c'est des parties où tu peux voler, des parties où tu peux... Enfin des parties où on est 58 genre, pas de soucis. Mais c'est sympa. Et c'est un peu... ça donne un petit côté convivial quoi je veux dire. Quand on est 50 sur une map, y a pas d'autre choix quoi. Alors combien? 1500. Allez, on ouvre. Ok. Alors, on va passer à droite. Est-ce qu'il y a quelque chose? Rien du tout, très bien. Gauche, bon, ça se voit qu'il y a rien. On va continuer tout droit. On va suivre le fil. Ok, il y a un nounours. Coucou nounours! Ah, c'est la boîte, ok. Enfin, c'est un emplacement de boîte. Est-ce qu'on peut activer le courant? Non. Ok, son bloc. En même temps, dans un mode zombie, faut pas s'attendre à autre... Ouf! Wow! Doucement les gars hein. Putain de zombie. Allez danse là. Ouh. Merci. Alors, où est-ce qu'on a de zombies? Ici. Ok, ça me va. Suivant. Ok, ça me va. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Ça doit être assez casse-couille j'avoue. Je regarde une vidéo, il y a un connard qui tousse. Ça doit être relou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on aura pas. Non. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? 1500, pas encore. On pourra bientôt. Non, pas trop longtemps, encore peut-être une manche. C'est le dernier, toi? Non, c'est pas le dernier. Une belle mort. Non, bon, bah écoute. Allez les gars, dépêchez-vous là, faut que j'aille vous chercher, c'est comme délire.
Voilà. Je vais peut-être acheter Quick Revive quand même, parce que je suis pas serein. C'est bien, on fait les cons et tout, on a fait crever deux fois déjà à cause du cut. Parce qu'on est nul surtout. Mais bon, voilà quoi. Ça me fait chier de mourir en manche 4 quand même. Hein. Mais ça ouvre juste des chiottes ou c'est quoi les bails? Ah non, ok. Ah, c'est pas des chiottes. Ok. Ah, je me suis dit, ça ouvre juste une petite pièce, je suis carrément baisé en fait. Mais non, ça va, ça ouvre un chemin. Genre, comment je peux pas tirer en rafale? Non, en rafale. Genre, c'est un peu partout. Je crois qu'avant je pouvais tirer en rafale. C'est pas grave, je clique. Pas mal le clic aussi. Encore? Ah oui, encore. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Pourquoi pas? Ah, je peux ouvrir la porte. On ouvre. On va ouvrir. Hein. C'est parti! Ok, un incinérateur. Sympa. Ok, un bus qui vole. Ah non, mais putain. Ok. Sur un lit. Enfin, un fauteuil. Je me suis compris, putain, arrêtez. Oh bordel, 2000. Ok. Ça lance grenade, ça, j'ai l'impression. Ou une mitraillette. Plus une mitraillette. En fait, ça servait à rien ce que j'ai fait là. Pourquoi j'ai ouvert? Genre, à part se bloquer et acheter une arme... Bon, les headshots, ça marche toujours, hein. Ça one shot dans tous les cas, quoi. Sauf quand je rate ma balle comme une grosse merde, mais ça, c'est c'est un cas personnel, ça. Qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit, hein. Enfin, comme disent les grosses merdes. Ah, j'avoue, je viens de le dire. Non, mais c'est un détail, ça. Ils ont mis M9 Beretta. Mais pourquoi ils se bloquaient ici les zombies? Ça fait mal. Oh, bah, c'est là, c'est là. Pourquoi j'entends les autres fenêtres? Ok, c'est là, c'est là. Ouais, par contre, je vois pas faire. Dès que j'ai 2000, je me casse direct, hein, parce que là, c'est bien dangereux. Insta-kill. Ça fait insta-kill, c'est arrivé à faire, quoi. Ok, on a 2000, largement. Ok, allez. La peine de traduire, tiens. J'ai envie du Juggernog. Porte, c'est un truc d'escroc, genre t'ouvre, il y a juste un petit couloir. Avec deux autres portes à ouvrir. On ouvre laquelle après à votre avis, celle-ci? Oh, il y a la boîte. Bah ok. Mon choix est rapidement fait. Ok, ok, ok. Coûte combien cette part? 2000 je pense. Exactement. Allez, zombies, s'il vous plaît, ça devient long. Je vais t'accueillir comme il se doit, toi. Pata. Ok. Je pense que là il a compris la leçon. Qu'est-ce qu'on a ici? Un couteau. Un morceau de jambe. Sympathique. Sympathique. Ta gueule. T'es là, tu fais du bruit et tout. Ok.
Ah, ça y est, ça one shot plus dans la tête. Attends, on va essayer de le tête. Non, ça one shot plus dans la tête. Bon, c'est assez cool parce que c'était. T'étais un peu en détresse, tu visais la tête et c'était bon. Bon, tu vas me dire deux coups. Mais pourquoi j'ai besoin de cliquer à chaque fois? Genre, je peux pas rester appuyé pour mitrailler. Enfin, pour moi. Bref. Je me bats les couilles. On va faire une petite boîte, ça. De changer ce petit pistolet. Je vais leur faire mordre la poussière. Oh, ok. Excuse-moi. Ah ouais, non, mais elle est vraiment méchante cette arme, genre. Pardonne vraiment pas, quoi. Oui, pardon, excuse-moi. Utiliser. Salut. Putain, mais quel accueil. Allez, les 400 points. Bon, c'est sympa, mais genre, ça va pas marcher longtemps, quoi. Ça marche, la vieille technique. Ça fera l'affaire. Pas du tout, mais écoute. C'est Speed Cola, donc... The power must be activated, merde. Courant. Ça va être par là, je pense, le courant, du coup. 2000 aussi, putain, ça fait mal. Ouais, celle-là, je peux rester à pied, ça. Je me suis dit, si celle-là aussi, je dois cliquer, ça sert encore à rien. Mais là, ça va. En fait, je me suis dit, les mitrailleuses, c'est pas la... Enfin, ok, ça tire vite, mais ça fait pas autant de dégâts qu'on en a là, ou quoi. Car là, si tu devais mettre autant de balles de mitrailleuses que tu mets de balles de pistolet, par exemple... Putain, mais t'aurais pas fini de tirer, mon gars. On dit que c'est la merde ou pas? Ouais, on dit que c'est la merde. Ah non, vraiment, c'est sympathique les couloirs comme ça, mais genre... Je peux bouger. Ok, parfait. Bon. J'en ai eu de la chance d'avoir 2000. T'es qui, toi? Wouah! Énorme! Oh putain, c'est énorme! Le mec a trouvé le moyen de modder un pote! Genre vraiment un allié, quoi! Putain, mais mec, franchement, le mec qui a fait le mod, c'est vraiment un ouf. Hein. Le mec qui a fait le mod, c'est vraiment mis bien. Hein. Oh bordel! Ah! Ok, sergent, pourquoi t'es... Oh! Mec! Je peux changer une arme de merde contre la meilleure arme du jeu! Je m'en souviens, je la kiffais cette arme quand j'étais jeune. Je l'adorais, c'était mon kiff. Ça, je l'utilisais en multi, j'étais un putain de noob. C'était énorme. Là-bas ou là-bas? Là-bas. Ouais, j'étais un putain de noob en ligne. Franchement, j'ai honte, mon gars. Ah, mais en fait... Regarde, ok, je comprends. Regarde, en fait, le truc, c'est un fusil. Et genre, ils l'ont modélisé comme une MP5. Ou un bail du genre, tu vois. Ah ouais, non, ils sont vraiment chauds, les mecs. Hein. Y'a rien à dire, ils sont vraiment, vraiment chauds. Non. C'est moyen de partir par là, hein. Ça m'a l'air. Voilà. Hein. Ouais, là, quoi, je me balade toujours avec un G3 à la manche. À la manche beaucoup. Il était modélisé comme un robot qui avait une arme, je pense que... J'aurais se balader, tu vois, avec une arme en main alors qu'il n'y avait pas d'arme en main. C'est assez joli. Oh putain, pépé bison quoi. Dans le top 5, ils ont réussi à incruster un pépé bison. Franchement, c'est des ouf les mecs qui font le... Oh là 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 là. Les mecs qui font le mode, vous êtes vraiment des... Bon, on recharge pas tout de suite.
Oh. Il est immense la balle. C'est vraiment fait chier. Hein. Elle est vraiment grande la balle. Faut qu'on trouve le courant les gars. On trouve le courant. Putain, non me dis pas qu'on peut monter. Non quand même pas. Faut qu'on trouve le courant, s'il vous plaît, courant. Combien? Le courant va se réactiver. On va visiter cet étage parce que ça se trouve ça va être à cet étage là et nous on va monter comme des connards. Ok, il y a un barrette, ça. Sympa. Mon jeu a crash! C'est bon. Non, j'ai eu de la panique là, j'avoue j'ai paniqué. Je me suis dit non, je dois tout refaire. Mais non, ça va, tranquille. Pas de soucis. Par contre, là, je commence à vraiment entendre beaucoup de bruit de zombies. Et bah, c'est pas. Mon jeu crash! Y'a trop de zombies, les gars. Y'a vraiment trop de zombies. Par contre, moi, généralement, c'est un bon PC. Mais là, code 5, c'est trop. Code 5 c'est un truc trop méchant pour lui. Putain le... La gueule du nounours là elle fait toujours plaisir à voir. Ça donne un peu de réconfort dans ce monde de boot. Ça charge vite 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 vite. Le nombre de zombies qu'il y avait, c'est normal que mon PC suive plus après. T'es là, tu rigoles. Putain, graphiquement, il est pas beau le jeu. Enfin, il est normal quoi. Enfin, il est un peu moche quoi. C'est un jeu qui date quand même. Il y a même pas un grand écran, genre il y a des petites bandes sur le côté. Je sais pas si vous les voyez aussi les bandes, je pense. En tout cas, moi je les vois, mais c'est plutôt désagréable. Enfin, au bout d'un moment, on les remarque quand même plus, mais... Putain, l'impression que j'ai plus de balles, et là, c'est vraiment... J'arrive vraiment que j'aille en chercher, quoi. Ah, vas-y, je vais acheter une arme sur le mur. Et je vais essayer de trouver le courant. C'est juste ça, en fait, mon obsession, maintenant. C'est le courant, 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 courant. Et on va le chercher en courant, même. Pardon. Une arme, vite, une arme. Ok, une arme. C'est une arme de merde. Non, c'est celle-là, ok, mais je l'avais déjà. On s'en fout, elle est bien. Je l'ai échangé. Oh, je suis con comme ça. Ok, elle one-shot, on est bon. J'ai eu peur qu'elle one-shot plus, je me suis dit, là, c'est elle one-shot plus, mon gars. C'est la mort qui est assurée. The power will destroy us. Je peux prendre un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi pour prendre? Ça doit être F, je pense, comme pour regonfler, là. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas ce que ça fait. Je reste appuyé sur F et puis il se passe rien. Ah, the power must be activated. Peut-être qu'il faut juste que j'appuie sur le power. Sur le mot, genre, the power. Non. J'aurais fait que je prenne quoi? Je fais que appuyer sur sur F, il se passe que dalle. Destroy us all. Tungska. Ça veut dire le courant va nous détruire nous tous.
Et le dernier mot, j'avoue, je sais pas du tout. Tungska. Je sais pas. Non, j'avoue, je sais pas du tout. Tungska. Enfin, j'ai cherché après. Look up to the... Look up to see the sky. To see the light. Regarde en l'air pour regarder la lumière 115. Ok. En fait, je m'en bats les couilles de la lumière 115. Pourquoi je regarde en l'air? La manche 11. Ok, ça a pas mal cramé quand même ici. Si on peut encore passer, on a pas d'argent. C'est assez triste quand même. Bon, est-ce qu'on peut descendre comme ça? Non, c'est une bonne chose, on peut pas tomber. Bon jeu, bon jeu, bon jeu. Merci. Les bruits de zombies, c'est assez relou parce qu'ils viennent de partout, genre tu peux pas discerner d'où ils viennent. Donc du coup tu regardes tout partout autour de toi, t'as l'impression qu'il y a des zombies devant, derrière, à droite, à gauche. Il y a des diagonales, il y a des zombies. Même dans la diagonale, il y a des bruits de zombies. Quelle parodie, putain, mais c'est génial, comment je suis un génie. Lol. Il est barre. Ah non, j'ai pas fait ma gueule. Boum, boum. Ah, il y a un bon montre. Sans branle, allez. Joue. Coucou. Wesh. Putain, avant j'ai vu... je crois que j'ai vu Juggernog et je l'ai pas pris. Je viens de me rendre compte maintenant, genre que je suis con, tu vois. Je crois que j'ai vu Juggernog. Ouh. Calm down. Trop d'émotion, putain. So much fucking emotion. Oh. I'm afraid of you. La gueule. Putain. Double points. Ouais, double points. Les bruits de zombies, par contre, je vous avoue, c'est vraiment relou. ils sont là, ils sont à droite, partout, ils sont là. Tu les entends d'hyper près, alors ils sont hyper loin. Voilà, j'en entends, j'ai l'impression qu'il va venir de là. Alors qu'en fait, il est encore dans l'escalier, en dessous, tu vois. Alors, c'était lui. C'est assez relou. Non, après, tu vois, on s'habitue, mais genre... on se casse plus, quoi. Je pense que le courant, il va être tout au bout, tu vois. Genre, bien caché. Allô. Ça va, tant qu'il one shot mon arme, moi ça me va. Hein. Tant qu'elle one shot et que j'ai des munitions, ça passe, tu vois. Bordel de merde, ça coûte 2000. Ça sert à quoi se faire niquer ça? Par contre là, les zombies sont vraiment pas là pour déconner, moi je vous dis. Parce que là, j'aurais pas dû ouvrir tout de suite, j'aurais dû rester une manche comme j'étais avant, tranquillement. Les zombies peuvent pas venir de derrière. Parce que là, ils peuvent venir de partout, ils peuvent venir de devant moi et derrière moi. Ah oui, ils peuvent juste venir de devant. Parce que cette porte était fermée, il y a pas d'autre fenêtre, j'ai l'impression. Ah pas, ah c'est... non, c'est pas une fenêtre. Donc ouais, il y a pas d'autre fenêtre. Oh, 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 oh putain. Plus jamais, mec. Plus jamais tu me fais ça, putain. Oh bordel. Oh, j'ai pris un de ces screamers là, mon pote. Oh, oh. Enfin, c'est normal, hein, mais dans longtemps. Oh putain, je suis pas habitué. Mais... non mais les gars, je m'ai pas prévenu aussi que que ce jeu il peut se faire pisser dessus. Et là, tu veux jouer en zombie tranquillement et l'autre il arrive et tu fais coucou. Putain, j'étais tellement pas prêt. Ok, bon. On se remet de nos émotions tranquillement, on est là, on souffle un peu. On... meurs, meurs, toi aussi, meurs, tout le monde meurt. Ouais, il est mort. Enfin, j'avoue, j'ai paniqué. Hein.
désolé. Ça va, finalement, il y a pas trop de zombies qui viennent de derrière. Pourquoi je me couche tout le temps? Je sais pas, je kiffe le sol, il se passe quoi. Je vais me faire des points comme je peux pour avoir 2000 et ouvrir en haut. Alors, en tuant un zombie, est-ce que ça suffit pour avoir 2000 points? Oh putain. Mais non, 30 points! Quand tu vois, se plaindre et pleurer comme ça, c'est bien, mais quand t'as pas venu boucher. Alors là, j'ai l'air con. Est-ce que je peux pas reboucher ça, par exemple? Carrément pas. Quasiment, j'ai assez. Ok, j'ai l'impression que c'est là, en plus, le courant. Putain, il y a un téléporteur à côté, donc il y a de fortes chances. Ça peut pas, ce problème. Sur le pack à punch. Le courant il est où? C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je l'ai loupé? J'ai raté le courant après. Je crois que vous savez exactement où il est en plus. C'est assez triste ce qu'il m'arrive à ce moment-là. C'est vrai que là je parle pas mal de mon gameplay, mais c'est vrai que la map est franchement pas mal. Pas mal du tout même. Pour une map faite par un joueur, franchement elle est énorme. Ça aurait été fait par les développeurs du jeu, je me serais dit bon. Il y a encore un petit progrès à faire, mais franchement fait par un amateur, on va dire, par un joueur, franchement elle est énorme. Alors c'est dur de s'attendre à un truc aussi bien fait venant d'un joueur quoi. Voilà. Le mec il achète le jeu et joue comme toi et moi. Enfin comme moi surtout, parce que toi je sais pas si tu joues parce que je te connais pas tu vois. Et là tu... Je te parle mais tu me parles pas. Bon, on va chercher le courant. Ça peut pas être une bonne idée. Mon jeu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. On est bon. C'est quoi le courant? Mais je suis sûr que c'était le truc où il y avait marqué power sur le mur. J'en suis quasiment sûr. De ma souris par le non, j'ai des petits problèmes encore avec le câblage. Ça c'est personnel. Oh. Faut qu'on trouve ce putain de courant, bordel. Je suis sûr qu'il était hyper loin, genre loin, loin. Ah mais oui, mais je m'en souviens pourquoi j'ai pas pris Juggernog. Parce qu'il y a pas de courant, je crois. Je suis un gars chaud dans la canon, vous savez pas. Déblayage. Non. Non. Pourquoi? Parce que je suis une grosse merde, tout simplement. Bon, bah, franchement, voilà, pour reparler un peu de la map, elle était vraiment énorme, elle était immense. Faite par un joueur, je crois. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis là, mais franchement, je crois que c'était fait par un joueur. Et putain, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Il a fait un travail de ouf. Je sais pas de qui elle vient cette. Ouais, par contre, abuse pas. C'est gentil, mais genre pas trop, tu vois. Voir si on trouve des trucs. Settings peut-être. Bon. Forcément pas. Voilà, bah là, vous avez tous les trucs si vous allez. Je sais pas s'il a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a fait vraiment kiffer à faire. Franchement, les trucs comme ça, les custom maps zombies. En général, les zombies, les maps de base, j'aime bien. Mais voilà, on se fait assez vite chier, on commence à les connaître. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu, pardon. C'est pour avoir une nouvelle expérience en zombies. Et bah, les créateurs comme ça le font super bien et nous offrent une nouvelle expérience, on va dire. Et franchement, c'est kiffant. Donc les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Peace!